Là par contre heureusement que personne va derrière parce que c'était 60% de mon cul. Non mais vraiment je suis à moitié nu dans ton lit là, donc. C'était mon cul. On dirait que je m'apprête à boire une bonne verre d'Eve. Ah mais t'as grave abusé quoi. Même deux shooters similaires et on a pas, enfin c'est... T'inquiète, ça tombera pas. Ok. Juste pour vous dire qu'on est en train de filmer un mukbang avec Anna. Enfin un mukbang. On boit juste. Je t'ai jamais entendu dire cette phrase, c'est parti. Petite joueuse. Hi bitches. Mon plus grand rêve. That's it, Brian. Yes. Ça y est, je vais me mettre sur mon CV. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez demandé, vous me l'avez supplié, on me le demande tous les jours. Ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans. Joanne était fan de moi et aujourd'hui il est dans mon lit. Bravo à lui. Meilleur glow up. Non, c'est vrai, j'ai commencé YouTube parce que je regardais les vidéos d'Anna RVR. Ça, c'est une petite histoire qu'il aime raconter, mais. La légende. Je sais, oui. Ça, je sais si c'est vrai. J'ai toujours voulu faire une vidéo où je buvais dedans et je me suis dit qui était mieux que Joanne. Donc, buvez avec modération, attention, modération, c'est le mot d'ordre. Vous m'avez posé des questions, enfin, vous nous avez posé des questions sur Instagram, les plus borderline, les plus gênantes. Les plus gênantes. Voilà, donc soit on répond, soit on boit un shot. Sachant que les questions sont extrêmement déplacées, on va boire beaucoup de shots. Ouais, bah écoute, y'a pas de soucis, j'ai grand soif. Nous n'avons pas mangé, donc bah écoutez, bon appétit, c'est parti. On commence avec une question qui est très simple et pas du tout personnelle. Quelle drogue avez-vous déjà testée? Tu veux répondre ou tu veux pas répondre? Ah moi je réponds, y'a pas de soucis. En toute honnêteté, je n'ai pris que de la... Je me dis qu'il y a de l'héroïne tous les soirs. Non, je n'ai fumé que de la beuh et du shit, je n'ai jamais rien touché d'autre. Je sais que c'est pas les occasions qui manquaient. Je suis restée vraiment droite dans le basket. Pareil, les drogues dures ont pourtant souvent tapé à ma porte. Mais... je ne l'aurais jamais ouvert pour le moment. La suite restera dans les jambes. Alors... Je suis vraiment morte, elle a bu un shot. Votre date le plus gênant? Moi j'en ai un. Moi je vais prendre un shot quand même, hein, même si je raconte ma vie. Oui, moi aussi, 1, 2, 3. Allez. C'était avec un mec que j'avais déjà vu un peu, on a fait un date ensemble, on allait boire des verres. Et au final, au moment de rentrer chez moi, il se met à pleuvoir, du coup on se dit, bon bah vas-y, je vais chez moi. Il se met à pleurer, je vais voir. Moi, non. Sous l'influence de l'alcool. Donc du coup on se dit bon bah viens chez moi, on regarde un film et tout. Excusez-moi. Joanne, je suis en train de raconter mon histoire d'amour. On arrive, on se met dans mon lit, on met un film. On est resté allongé l'un à côté de l'autre, vraiment avec une distance de sécurité énorme pendant tout le film. Et après à la fin il a dit bon bah j'y vais, il est parti. Lequel de vous deux a le plus pécho? Attention, j'étais très jeune quand je suis parti vivre à Los Angeles, ouais. Donc tous les soirs en quart. Mais je me suis beaucoup calmé, c'était vraiment quand j'étais jeune, la vie de débauche et d'excès, maintenant c'est comme ça. Je prends pour qui Joanne, t'as 22 ans? 23, c'est 23. J'aurais dit penser, je vais prendre un shot. Oh putain, mais Joanne! Non, mais 23 ans quoi. C'est insupportable! En plus, tu me sers même pas quoi. Attends, veux aussi? Votre pire fois à vie, donc moi je ne peux pas répondre, donc je bois. Moi, c'était ma première fois, c'était catastrophique. J'avais 16 ans, je me rappelle comme c'était hier. Je me suis dit, genre, ah, mais c'est ça en fait, baiser, mais c'est sur côté, c'est nul, genre. C'était juste une très mauvaise expérience. Ah putain de merde! Allez hop! Non, je viens de boire mon âme. Est-ce que Joanne a déjà voulu coucher avec Anna? Bah non. Mais coucher, dormir ou coucher? Coucher ensemble, on a déjà dormi ensemble à Dubaï. Mais Non, même pas. Non. Oh bah non, je suis dans la chambre d'entraînement. Non, bah ça doit être un rêve sexuel que j'ai eu parmi les nombreux que j'ai dans ma vie. Non, non, j'ai jamais voulu coucher avec Anna. Nous sommes de très bons amis. Bon, on continue. Qui de vous deux a déjà eu une relation plus avec quelqu'un de YouTube? Je vais boire un shot. Bah, moi, oui, hein, voilà. Bonne soirée. Est-ce que vous pensez être de bon coup? Bah la réponse est simple, c'est oui. Oui bah franchement. Tu vas pas dire non. Moi je pense être un bon coup. Franchement, sur le CV du cul, je remplis pas mal de cases. Ah ouais. T'as pas répondu, t'as un bon coup ou pas? Mais oui, j'ai dit la réponse est évidente, c'est oui. Je vais pas dire non. T'en es sûr? Bah évidemment que j'en suis sûr. Ça me mettrait mal à l'aise. Tu gagnes combien en moyenne par mois grâce à YouTube? Olé. Les gens sont malades. L'un d'entre vous a-t-il déjà été aux urgences après une partie de jambes en l'air? Enfin, ça va doucement quand même, mais... Oh, enfin, c'est pas non plus... Enfin, arrêtez. De l'acrogym, genre... J'ai l'impression qu'on va faire un coma éthylique, Joanne. Regarde où est les bouteilles. Allez. Okay. On l'a fait qu'une fois, j'en ai le début. C'est désagréable. Pourquoi on fait ça? C'est génial, j'adore ça. Là, moi aussi, j'aime. Racontez votre pire cuite. Cette soirée parisienne. Exceptionnel. On est sorti avec Anna. Putain, je vais me gratter de pif. Avec Anna, avec d'autres gens de YouTube. Et puis, j'ai bu une bouteille de Ristoff tout seul. Donc. Puis, je pense que des abonnés m'ont drogué aussi. Mais ça, ce sera l'objet de notre vidéo. Et j'étais complètement hystérique en boîte. J'étais pas moi-même en fait. Je suis sorti de mes gants. Voilà. Sorti,
Puis je suis pas retourné quoi. Non. Genre Anna plaqué contre le mur. Vraiment en fait c'était l'exorciste quoi. On reconnaissait plus, il était plus lui-même, il était devenu violent et agressif. J'étais devenu complètement taré, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je vois trouble. Tu vois trouble? Non. Johan, est-ce que Anna prend de la drogue? Quand on la voit en soirée, on se demande. Bah je vous assure que non. Qui a dit ça? En fait je fais genre je tiens grave bien, mais en fait j'ai des limites, elles sont super super basses. Et du coup quand je dépasse la limite, je deviens une autre personne en fait. Je regarde, j'ai un regard droit dans le vide. Le nombre d'ex de chacun. Moi c'est bizarre parce que je sais pas trop en fait. Comment toi, ça tu sais pas trop? Parce que j'ai eu une vraie relation, ouais. Et après j'ai eu des relations, j'étais pas avec le mec mais c'était tout. J'ai un vrai ex en fait. On va dire vraiment 4 vraies relations sérieuses. Putain, waouh. En 23 ans c'est beaucoup quand même, non? De ouf, 4 relations sérieuses. Ah bah. Et du coup, couple actuellement. Ding 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 ding. Bon bah on va voir. Les shots sont de plus en plus petits, je veux vous faire un boire une goutte. On a commencé, olé. On va finir genre. Ouais. J'ai envie de mourir. Enfin j'ai toujours envie de mourir mais là encore plus que d'habitude. Screen, c'est drôle. Vos métiers de rêve si vous n'aviez pas YouTube. C'est pas drôle. Non. Pardon. Mais la vie qu'on aurait sur YouTube serait drôle. Ah, ça serait horrible ma vie sans YouTube. Enfin, sans l'argent de YouTube surtout. Ah, tu vas couper. Vous avez fait quand votre première fois? Bah, moi je l'ai dit, hein, j'avais 16 ans. Ah ouais? Moi j'avais 18 ans. Mais attention, j'avais 16 ans. Attention! Non, j'avais 16 ans, mais à 16 ans j'étais à la fac. Est-ce que t'as déjà michto en boîte? Oh bah non. Michto, tu sais ce que ça veut dire michto? Ça veut dire gratter un verre à quelqu'un. Bah ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais offert un verre en boîte et j'en ai jamais offert donc. C'est une blague? T'as jamais gratté un verre en boîte? Jamais. Jamais, d'accord. À une table? À une table? Oui, il m'arrivait de gratter à une table quand je connaissais quelqu'un. Ou alors mes potes, ils m'ont offert des verres en... J'arrive pas à parler. C'est la tequila, y'a plus rien qui va. En roue libre. Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà réveillé dans le lit d'un inconnu? Ah bah non, faut pas abuser. Comment ça tu bois? C'est très très off. Tu peux pas répondre, je bois. Hop là, toi aussi. Ah bah non, moi ça m'est jamais arrivé. Hein. Bah je m'en fous, je bois quand même. Mais je crois qu'on fait n'importe quoi, Johan, là. Pourquoi? Réfléchir au sens de cette vidéo. La moitié de la bouteille est partie. Ça on fait 20 minutes qu'on filme. Votre pire rupture amoureuse. Bah, tout était catastrophique. Putain, ouais. En fait, moi, dans ma seule relation, mon vraie relation, j'ai eu genre 8 ruptures. Du coup, j'en ai vécu plein de différentes. Mais à chaque fois, les mêmes acteurs, quoi. Les mêmes acteurs avec une fin alternative à chaque fois. Vraiment. Johan, il rebondit vite quand même. Oh. D'apparence, il rebondit vite. Dans sa tête, on sait pas. Mais voilà, c'est juste d'apparence, ouais. En soi. Je pense qu'on suit un psychologue très prochainement. Tu rigoles laquelle? Jojo, tu préfères quelle partie du corps d'Anna? Alors, Anna vous cache quelque chose depuis très longtemps. Non, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que t'es youtubeuse, 7 ans. En fait, j'avais jamais fait attention. Mais à Dubaï, vous voulez un maillot de bain H24. Je suis choqué. Anna a une poitrine absolument superbe et abondante. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand les dieux t'ont créé, genre, au truc poitrine, genre, ils ont versé comme ça. Oups! Je lui ai dit, franchement, si YouTube ça marche, je sais pas. Je ferai carrière dans la lingerie, c'est sûr. Avez-vous déjà fait un plan à 3? Désolé, la caméra a coupé. Comment trouver l'amour lorsqu'on est grosse? Tu as sonné à la bonne part. Nous sommes toutes les deux là pour te répondre. C'est la meilleure question que j'ai entendue. En fait, ça sera tout simplement le titre de mon autobiographie. Comment trouver l'amour lorsqu'on est grosse? Préface par Anna RVR, écrit par Joanne Pabst. Est-ce que t'as déjà fait des choses ou dit des choses en étant bourré et t'as regretté le lendemain? Non, parce que tout ce que je dis quand je suis bourré, c'est la vérité. Ah, moi pas du tout quoi. Attends, tu crois en ça genre? Franchement, tout ce que j'ai dit c'était la vérité. C'est ce que je ressentais sur le moment et que j'avais envie de dire. Ah, moi je me rappelle pas. Ça dépend des jours. Des fois j'ai l'alcool vraiment joyeux. Des fois, moi genre les SMS, amis, je sais pas qui. Ah ouais, non, j'avoue, des après. Fois je regarde mes textos, je me dis, mais attends, mais j'en ai 5 ans. Quelle horreur. Non. T'as plus envie de prendre des shots, c'est fini. Ah, bon, on prend un dernier. De toute façon, on a bu une demi-bouteille de tequila, donc après tout. T'es un peu choqué là, non? Ça va en fait, hein, je me sens pas mal. Je suis au bout, mais Johan, j'ai dit que je sortais pas, putain. Tu m'as dit qu'on allait boire un verre. Tant pis, on n'ira pas boire de verre. Si, si, si. T'en es où du permis, mais je t'ai sonné la cloche? Qui mon gars. Qui boit le plus et qui tient le moins l'alcool? Anna boit plus que moi et je tiens moins bien l'alcool qu'elle. Je suis pas sûr de ça. Hein. Si, si. Je suis sûr de ça en fait. Ouais. Moi, deux verres, trois verres, je commence déjà à montrer ma culotte à tout le monde. Ouais, super, on en boit 70 shots. Bah, c'est parti. Je suis trop bien. T'es enrhumé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu, là d'un coup, c'est la tequila, ça m'a bouché les narines. Un shot d'adieu. Un shot d'adieu. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pense, tu passes contre les... Moi, j'avoue, vous ne payez pas. S'il y a 30 000 likes sur cette vidéo, Anna viendra sur ma chaîne, on va faire un vlog. Anna RVR m'emmène en soirée. Je vous promets que ce sera non censuré, il y aura tout. Vomi, engueulade. Non, non. Tequila, vodka, shot. Plan cul, il y aura tout en une soirée. Donc 30 000 pouces bleus. Et puis. Ça va pas arriver. Abonnez-vous. Passe un bon. J'ai passé un très bon moment avec vous. Gros bisous. Le régime du camp. C'est bon. She can get a taste. She can get a taste.
fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. Let you get a taste. Taste, taste. Do you love a taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me.